Le trafic a repris à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo après un moment de fermeture. L'épilogue de ce moment d'incertitude pour les commerçants de ces deux pays est intervenu après les pourparlers entre les deux gouvernements. Élément à suivre dans un instant. Et puis, la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes s'est prononcée dans l'affaire du directeur général de la Metelsat, Itela Ilongo. Ce dernier a été condamné pour faute de mégestion. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir sur la radio-télévision nationale congolaise. Comme annoncé dans le sommaire, l'heure des retrouvailles a sonné entre les Congolais et les Zambiens à la frontière de Kasumbalesa. C'est depuis ce matin que la Zambie a ouvert ses frontières à la RDC. Une décision prise entre le ministre congolais du commerce extérieur et son homologue zambien de l'industrie. Les détails avec Eric Kabamba. Des gros véhicules avec des marchandises libres de passer de la RDC à la Zambie. Ici, à la frontière de Kasumbalesa, après un simple contrôle de la police. L'image que l'on n'a plus vue il y a de cela quelques jours, depuis ce mardi 13 août, la Zambie vient de décider d'ouvrir ses trois postes et frontières à la République démocratique du Congo. La décision de cette réouverture, à l'issue de la réunion entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, et son homologue zambien de l'industrie. Les deux parties ont convenu non seulement de la réouverture, mais aussi ont mis en place une commission bipartite devant assurer la gestion des mesures de sauvegarde, précise le communiqué final sanctionnant cette rencontre bipartite signée par les deux ministres. Une réunion qui a juste après fait appel à une conférence de presse à laquelle le ministre congolais du commerce extérieur a expliqué dans le détail les raisons d'interdiction d'importation de certains produits sur le sol congolais. On a observé que beaucoup d'opérateurs à travers le monde, comme la RDC était considérée comme le marché, ils importaient des biens et arrivaient sur les territoires zambiens. Bien que ces marchandises étaient en destination de la RDC, eh bien, arrivaient sur les territoires zambiens, ces marchandises étaient transbordées ou on coupait les plombs des conteneurs. Et quand on coupe les plombs des conteneurs, les marchandises deviennent zambiennes et traversent la frontière congolaise comme si elle venait de la Zambie et l'État congolais perdait énormément de ses ressources. Pour rappel, la Zambie avait fermé ses frontières avec la RDC en protestation contre la décision portant interdiction d'importation des bières, des boissons gazeuses étrangères prises au mois de juillet dernier par le gouvernement congolais. Redevabilité oblige, le ministre de la Communication et Médias et vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale ont animé conjointement un briefing presse sur la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise. Un reportage de Jacques Kabouabassé-Douga. Devant les hommes et les femmes des médias, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a reconnu les difficultés que rencontrent les ménages congolais, lesquels font face à la flambée à intervalles réguliers des prix. Pour faire face à la vie chère, Daniel Moukoko Samba a annoncé une série de mesures, notamment en supprimant ou réduisant les perspectives sur l'importation des produits de grande consommation. Ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers. Sachez que chaque fois que vous achetez un litre de carburant, vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre, parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement. Ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique, pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%, pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%, tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ces produits va diminuer. Et si le prix de revient de produits diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Le vice-premier ministre a enfin dénoncé les spéculations sur les taux d'échange. Bon, tout le monde sait que dans une économie dollarisée, lorsque le taux d'échange varie, les différents agents essayent d'ajuster également leur propre pouvoir d'achat en augmentant les prix de leurs biens, même
lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas importés. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a embouché la même trompette, faisant savoir que les spéculateurs, importateurs ou certains cadres des banques vont rencontrer la rigueur de l'État, car le ministre de la Justice sera mis à contribution pour s'assurer que tous ceux qui vont essayer de contrevenir puissent être sévèrement punis. Il était nécessaire pour vous permettre de comprendre comment le gouvernement travaille à traduire en acte un engagement ferme du président de la République. Je pense que vous avez été édifié suffisamment et nous comptons sur vous pour que vous aussi vous puissiez faire non seulement le travail de relais, mais aussi le travail de contrôle. Bisonnions ces photos à la vigilance et impliqués parce que ceci nous concerne tous. Au cours de ses face-à-face avec la presse, Moukoko Samba a annoncé que bientôt, il sera lancé une campagne agricole dont le gouvernement a déjà levé l'option de financer. Quelques produits sont déjà identifiés, dont les manioc, le maïs, les soja, les haricots et le riz. Coup de chapeau pour la police nationale congolaise, pas de casse ni des désordres enregistrés lors des élections du bureau définitif du Sénat tenu le 12 août 2024. Tout donc s'est déroulé dans un climat de paix sous la supervision du général Dodo Chinyama, responsable des unités de protection de haute personnalité institution. C'est un reportage de Chimène Dondo. Le premier ministre honoraire Jean-Michel Samalukonde a été élu président du Sénat au cours de la plénière de ce lundi 12 août avec 84 voix devançant de loin son challenger, le patriarche Jonas Mukamba. Au terme de ces scrutins, les sénateurs Kalalawa Kalala et Bahati Lukwebo ont été élus respectivement premier vice-président et deuxième vice-président du Sénat. S'étant retrouvé dos à dos au premier tour, l'honorable Kalumba Mwanangongo a jeté l'éponge au profit de la sénatrice Ngudianza Bayoki Sekisula, la seule femme du bureau définitif élu rapporteur. Celle-ci a pour adjoint l'honorable Jean-Claude Bahinde. La question est revenue à l'honorable Mukengesha Itopin avec comme testeur adjoint Pascal Omana Bitika. Monsieur le président du Sénat, j'aimerais ce marteau, symbole du pouvoir législatif. Je vous souhaite plein succès à vous-même et à tous les membres du bureau définitif. Dans son discours d'investiture, le speaker de la Chambre haute s'est engagé à moderniser le Sénat, les rendre efficaces et accessibles dans la vision du chef de l'État. Cette élection à la tête du Sénat, je ne la prends pas comme une victoire personnelle, mais comme une victoire de l'ensemble de notre nation et des forces politiques, lesquelles ne demandent que plus d'unité, plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'État, et ce, dans la confiance et la loyauté. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Nous nous attellerons à la mériter encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple. Évoquant l'agression du pays par les M23, soutenu par les Rwanda, l'élu des élus du Haut-Katanga a invité tous les sénateurs à demeurer derrière les commandants suprêmes. Nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute la région. Enfin, le président de la Chambre des Sages a remercié les membres du bureau provisoire, particulièrement son président, l'honorable Pascal Kindolo Lumbu, et tout son bureau pour la dextérité et la sagesse avec lesquelles ils ont conduit cette session avant de déclarer close la session extraordinaire et d'envoyer les sénateurs en vacances parlementaires.
Vous venez de suivre là l'installation du bureau définitif du Sénat à la tête Jean-Michel Sama-Lukonde-Kyenge. Poursuivons ce journal. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a procédé au lancement officiel de la vulgarisation de la nouvelle politique nationale de prévention et règlement des conflits communautaires et coutumières. Ces documents de sept chapitres constituent une réponse aux conflits coutumiers et favorisent la cohabitation pacifique et consolide l'unité entre les communautés Bobo Koukoum. C'est une compilation des stratégies, mieux une feuille de route contenant un package de réponses à toute forme de conflit qui mine les différentes communautés, notamment les conflits coutumiers liés à la succession. Ces documents de sept chapitres pondus par différentes parties prenantes et structures spécialisées du ministère de l'Intérieur Sécurité afin de favoriser une cohabitation pacifique, consolider et préserver l'unité entre communautés. Nous devons, avec l'accompagnement de nos partenaires, produire un lot important. Ça doit être répercuté dans toutes nos entités. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, soucié de pérenniser cette politique qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens, a lancé ses plans de vulgarisation de la politique nationale de préservation et règlement de conflits communautaires et coutumiers. L'étape de la matérialisation de cette politique nécessite en amont une vulgarisation plus azimut à 360 degrés afin de communiquer pleinement son contenu. Le but étant d'en assurer la publicité et la promotion à même de susciter l'approbation, l'adhésion et la participation efficiente de toutes les parties prenantes. S'il y a des mots qu'il faut éradiquer en République démocratique du Congo, les conflits coutumiers sont une priorité. Aux communautés à s'approprier de ces documents d'une importance capitale. La réforme de l'appareil sécuritaire et les problèmes des déplacés de guerre figurent parmi les sujets abordés entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Fifi Mukundi. Il est opportun de penser à la gestion post-MONUSCO et à l'encadrement des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Une approche qui concerne également la réforme de la police nationale. Toutes ces questions ont été abordées lors de la rencontre entre les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani Louko, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Le Marquis. On a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité, dans laquelle la PNC et le ministère de l'Intérieur sont parties prenantes. Un autre sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO. Puisque une fois que la MONUSCO se retire, la protection des civils, donc là il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie. Un autre sujet, ça a été le retour des déplacés, notamment au Nord Kivu. Comme nous le savons, il y a eu une trêve humanitaire et maintenant il y a donc le cessez-le-feu. Donc il y a beaucoup d'actions qui doivent être prises par les différentes parties prenantes. Ensuite, on a parlé de la prévention des désastres. C'est très très important de toujours faire plus au niveau des États pour éviter que les aléas naturels. Au terme de ces premiers contacts, le patron de la sécurité congolaise et les diplomates onusiens attendent jeter les jalons d'une franche collaboration. La République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi viennent de signer des termes de référence du groupe de leur travail de désarmement, des mobilisations. C'était au cours de la réunion du lancement officiel du groupe à Dar es Salaam en Tanzanie. Le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS a représenté la RDC à ses assises. Peggy Mukunda. Il a dit, il a promis de s'engager activement à faire avancer les projets du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Il, c'est le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapoku Boaboa.
Pour ce faire, ces derniers étaient à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour prendre part à la réunion du lancement du groupe de travail d'EDER. À savoir que ce groupe opérationnel est né de la volonté des États signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région. Il est également le fruit des consultations menées entre les chefs des services de renseignement des États membres. L'objectif de cette rencontre était d'élaborer les termes de référence du groupe sur les DDR, du groupe de contact et de coordination avec les experts des 5 pays membres, je cite, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda. La clôture de cette grande messe a été marquée par la signature des termes de référence du groupe de travail DDR produit à l'issue des travaux. Le patron du PDDRCS, William Kapuku Boaboa, était accompagné par les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS du Nord Kivu et du Sud Kivu, sans oublier son directeur des cabinets. Plus ou moins 30 blessés de guerre soignés en Inde ont regagné le pays hier lundi 12 août 2024. Il remercie donc le commandant suprême pour cette prise en charge. Images et commentaires. Vingt-sept jours après leur prise en charge appropriée à l'extérieur du pays, 20 blessés de guerre guéris sur un total de 30 sont de retour au pays. Les 10 autres non encore en possession de la plénitude de leurs facultés poursuivent encore le soin. À leur descente de l'avion, quelques-uns ont livré leurs impressions et exprimé leur profonde gratitude au président de la République pour avoir permis cette prise en charge efficace. Merci, monsieur le président. Nous remercions les chefs de l'État pour ces gestes hautement vitaux et paternels. Grâce à lui, nous avons retrouvé notre santé. Que nos frères d'armes qui se battent au front ne s'inquiètent pas, qu'ils se battent avec détermination. La République leur sera redevable. Nous rentrons guéris et avons retrouvé notre santé grâce à notre commandant suprême. Que Dieu le bénisse et lui accorde longue vie pour continuer à s'occuper du bien-être des militaires. Interrogé sur l'opportunité de ses soins à l'extérieur du pays, le colonel Lokoma Babongo Luc Daniel, commandant adjoint de l'hôpital militaire central en charge des études et techniques, s'explique. Nous sommes venus ce lundi accueillir 20 de nos éléments parmi les 30 qui sont partis lors de la deuxième vague en Inde pour les soins. Et selon la vision du chef de l'État, il a dit qu'il ne laissera pas nos vaillants soldats dans la souffrance et son assistance sera toujours soutenue, tout comme tous les autres services aussi. Donc nous rassurons nos combattants d'avoir les esprits apaisés par rapport à la prise en charge médicale. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives vient de lancer aujourd'hui la collecte des données pour le rapport ITIE RDC 2022. D'autres détails avec Ricky Zuzilo Yamayawel. Les pays mettant en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, dont la RDC, sont toujours appelés à divulguer les informations requises par la norme ITIE à travers les déclarations systématiques des gouvernants et des entreprises, cela annuellement. C'est dans ces cadres que s'inscrivent les travaux de la collecte des données du rapport ITIE-RDC 2022 lancé à Kinshasa ce mardi 12 août 2024 par le coordonnateur national Jean-Jacques Kayembe. Une occasion pour les parties prenantes d'analyser et de déterminer la qualité et le contenu des informations à mettre dans ce document avec l'appui du projet Encore Banque mondiale sous la supervision du COREF. Chaque pays ayant adhéré à l'ITIE devra publier de manière annuelle son rapport qui est la colonne vertébrale qui permet au secrétariat international et au conseil d'administration de faire une évaluation de la mise en œuvre dans un pays. Nous avions ensemble travaillé et amélioré le rapport de cadrage qui nous a fixé le fondement et les éléments qui devront être inclus dans le rapport PE. À
Kinshasa, c'est le pool pétrolier. Et concomitamment, cette collecte va s'effectuer dans d'autres entités où se pratique une forte activité minière. C'est le cas du Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord et le Sud Kivu, le Kasaï oriental et à Durba et Isiro, en province orientale. Nous recevons sur ce plateau M. Joël Makumbikwa, il est coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Dites-nous quel bon vent vous amène sur notre plateau ce soir. Déjà nous sommes la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi, une association sans but lucratif créée par la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru-Tshisekedi, afin de pouvoir matérialiser sa vision qui est celle de pouvoir rendre la femme congolaise autonome pour qu'elle soit actrice du développement de notre pays. Et donc nous travaillons sur quatre axes principalement qui sont la santé, l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que l'autonomisation. Et sur notre volet éducation, nous avons mis en place un programme dénommé Excellencia qui octroie des bourses d'études aux meilleurs lauréats de l'examen d'État de la RDC. Et donc demain, mercredi 14 août, nous allons remettre le prix aux lauréats de la 5e édition. Et quels sont les critères de sélection pour être éligible à cette bourse Excellencia? Alors pour avoir la bourse Excellencia, il faudrait premièrement réussir son diplôme d'État avec un minimum de 85%. Ensuite, pouvoir passer le test de sélection qu'organise la Fondation avec un minimum de 70%. Et pour bénéficier de cette bourse, faut-il le payer ou être d'une région quelconque ou encore avoir une relation avec le coordonnateur de la Fondation? Non, pas du tout. Pas du tout. La bourse, elle est basée sur le mérite. Et donc, il faudrait uniquement faire 85% à l'examen d'État, peu importe votre origine, peu importe votre province, peu importe l'option. 85% à l'examen d'État, 70% au test qu'organise la Fondation et donc vous êtes boursier excellentiel de la Fondation. Monsieur Joël, et pour l'activité de demain, comment ça va se passer? Ça sera où? Alors l'activité de demain, ça sera au Palais du Peuple, au chapiteau du Palais du Peuple, où les 74 nouveaux boursiers auront le privilège de pouvoir recevoir leur prix. Demain, les différentes autorités, nous leur gardons la surprise. L'activité sera aussi en direct sur vos antennes, mais aussi sur les réseaux sociaux de la Fondation. Et donc, nous serons très, très honorés de vous compter parmi ceux qui seront connectés avec nous. Mais avant de nous séparer, un mot de la fin. Alors j'aimerais premièrement lancer un appel à tous les candidats, ceux-là qui sont en train de recevoir leur diplôme d'État. La publication des résultats a déjà commencé. Donc dès que vous avez 85%, vous-même ou un parent, un enfant, un neveu, une nièce qui a 85%, n'hésitez pas à contacter la Fondation pour pouvoir vous enregistrer afin de devenir vous aussi boursier excellentiel. Merci beaucoup M. Joël pour votre participation dans ce journal. Rappelons que nous avons reçu sur ce plateau M. Joël Makumbikwa, il est coordonnateur de la Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi. Et puis, sachez qu'une délégation des hauts fonctionnaires et des ministres de la RDC, conduite par le ministre de l'intégration régionale, M. Didier Mandenga, participe aux travaux préparatoires du 44e sommet ordinaire de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, qui se tiendra le 17 et le 18 août 2024 à Harare, au Zimbabwe. Et à l'ouverture de la conférence ministérielle, le chef de la délégation congolaise a évoqué la situation sécuritaire et humanitaire précaire dans l'est de la RDC marquée par l'agression rwandaise, selon le dernier rapport des experts de l'ONU. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal. La Cour des comptes a condamné Joseph Itélé Ilondo, directeur général de la Metelsat, pour faute de gestion. C'est ce qui ressort de l'audience publique de la Cour des comptes de ce mardi 13 août 2024, siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Condamné à une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que des frais d'instance, Joseph Itélé Ilondo, directeur général de la Metelsat, accusé de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5 200 $ américains, soit 3 100 $ pour lui-même et 2 100 $ pour Madame Ngondo Mukanya. C'est le verdict prononcé par la
la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière à son audience publique de ce mardi 13 août 2024, à laquelle siégeait le conseiller maître Gilbert Tonzoango Kongolo, président de Séan. Article 2. Le mis en cause Joseph Itela Ilondo est condamné à payer une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que les frais d'instance. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière à son audience publique du 13 août 2024 à laquelle siégeait le conseiller maître Gilbert Tondon au Congolais, président du Séan, les conseillers référendaires héritiers Kanza Ewula et Dieudonné Mvuezolo Mbumba, juge, le conseiller référendaire José Katouma Rampumbu et magistrat rapporteur, en présence de M. Omeyonga Tongo Mobartelemi, avocat général, et avec l'assistance de M. Pierre Boukassa, greffier. En foi de quoi, le présent arrêt est signé par les membres de la composition. Notons que le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site internet de la Cour des comptes. Et puis en politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a organisé une matinée politique autour de son secrétaire général. Le contenu de cette rencontre à travers ce reportage. Convoquée par les structures statutaires du parti, cette matinée politique a permis au secrétaire général, faisant office du président intermédiaire du parti, de fixer la base de l'UDPS sur la marche du parti. Dans sa communication, le numéro 1 de l'UDPS a commencé par faire la restitution à l'assistance des perpéties qui ont conduit au retrait du candidat du parti au poste du président du Sénat. Selon Augustin Kabuya, c'est au cours d'une rencontre avec la haute autorité des référents du parti et de l'Union Sacrée qu'ils ont été instruits de porter la candidature du sénateur Samalou Kondé au perchoir du Sénat. Quant aux assises de Sainte-Anne organisées par un groupe de frondeurs sans qualité ni mandat, Augustin Kabuya reste droit dans ses bottes et les qualifie de mise en scène. Le secrétaire général fustige les comportements de certains cadres du parti qu'il qualifie à révise qui ne font aucun effort pour maîtriser les textes réagissant à l'UDPS, mais s'engage sur une voie de ravir les partis aux héritiers d'Étienne Tshisekedi ou à Mouloumba Dérès Mémoire. Pour lui, il est incompréhensible de voir des grands juristes qui refusent un débat basé sur les textes du parti pour renverser l'ordre établi. Dans un avenir proche, la session inaugurale de la Convention démocratique du parti sera convoquée en conformité avec l'article 30 du statut et des orientations de la haute autorité des référents du parti. Pour la bonne marche du parti, cher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il indiqué. Malgré les vents qui soufflent à son parti, le président intérimaire reste optimiste et conciliant pour le retour de la paix dans la famille politique du chef de l'État, car l'UDPS a déjà connu ce genre de crise, même du temps des sphinx délimités. C'est dans ce cadre qu'Augustin Kabuya appelle les cadres et combattants de resserrer les rangs du parti pour ne pas donner l'occasion aux fossoyeurs du parti de détruire l'œuvre du grand combattant du siècle de la démocratie Étienne Tshisekedi Mulumba. Les habitants du village Bohosi sont en détresse depuis le glissement de terrain. Il y a 5 mois, il y a nécessité que le pouvoir public, le notable Claude Nyamugabo, est allé sur place en visite de reconfort. Edith Chala. Baraka Holding SRL, une société de droit congolais qui a pour objet social la fourniture de biens et de services, a inauguré son siège social et un espace de fête à Lubumbashi avec un immense chapiteau ultramoderne. C'était le samedi 10 août 2024, un bâtiment imposant planté fièrement au numéro 27 de l'avenue Polo au quartier Gambela 2, en plein cœur de Lubumbashi, qui sera un outil décisif dans l'exécution des activités de cette entreprise appartenant au couple des honorables dignitaires d'État, Baudrine Dongala Kitoko et Madame Carmel Mongamwanza.
Le groupe Baraka Holding, ses six autres entreprises que le chief executive officer, l'honorable Baudrine Dongala Kitoko, décrit en quelques lignes. La cérémonie de ce soir avait pour sens le lancement officiel de la société Baraka Holding. Nous regroupons six sociétés dans lesquelles nous évoluons pour vous offrir nos services. L'émissaire de la patronne de l'économie en province a pour sa part encouragé l'initiateur qui a réussi à donner de l'emploi à plusieurs compatriotes et a promis l'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Avec cette nouvelle édifice et ses services, le groupe Baraka Holding s'érange dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en se dotant d'un atout nouveau et moderne pour assurer pleinement le rôle du moteur de la croissance économique et des créations d'emplois à Lubumbashi. Et puis ce message de félicitations à l'administrateur principal, chef de département intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale des renseignements, ANR. Il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de puiser dans la pépinière des auditeurs du Collège des hautes études de stratégie et de défense, l'un des meilleurs de la session spéciale 5 en nommant Monsieur Kabuya Mulumba Alex, en qualité d'administrateur principal, chef de département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale des renseignements ANR en sigle. Au nom de toute la promotion et au mien propre, nous vous adressons nos vives et chaleureuses félicitations et prions Dieu des cieux de vous accorder sagesse, intelligence pour mener à bien vos nouvelles fonctions et mériter davantage la confiance placée en vous. Faites à Kinshasa le 13 août 2024 pour la cinquième session spéciale du CHES de Maître Babi Akwamba et Songo. Suivez à présent ces activités réalisées dans le Haut-Katanga. Depuis 2024, le village de Bourouzi, dans le groupement de Moudoussa, en territoire de Kabaré, a pleuré seul et enterré ses morts. Un éboulement de terre a jeté du jour au lendemain 725 familles en pâture. 7500 personnes dorment à la belle étoile dans les conditions inhumaines. Notable de Kabaré, le professeur Claude Nyamugabo est en visite de réconfort et de récolte d'éléments pour le plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales en faveur de ces Congolais. Sa présence aux côtés de sa base n'est ni opportuniste ni saisonnière, ce qui explique des milliers de voix obtenues aux récentes élections que l'alchimie électorale a galvaudée. Mwanaweka, comme on l'appelle ici, est resté attaché à sa base pour ne pas qu'elle se sente orpheline. Il prend le poids de ses doléances. Je suis tout de même étonné que je sois le premier après 5 mois à venir ici, mais je suis venu parce que rien ne peut me séparer de ma base. Et la semaine prochaine, je saisirai la ministre des Affaires sociales afin que très rapidement le gouvernement vienne en aide à cette population en l'aidant à être délocalisée de ces lieux parce que nous sommes des responsables, nous ne pouvons pas demander à nos compatriotes de continuer à construire à cet endroit. Le président national du Fonds pour un Congo nouveau, véritable porte-voix de cette population, Claude Nyamugabo reste engagé dans la réponse aux problèmes de ses électeurs. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.